Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Perry Cochin, Philippe Vandel, Isabelle Alonso et Claude Sarraute. Et lui, c'est un t-shirt de joueur de poker. Je mise tout ce soir. Je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire. Mais ça veut dire, OK, I'm all in. OK, je suis complètement à l'intérieur. Oui, ça veut dire ça. Oui, je suis tout dedans. Ça veut dire, si, mais non. Je suis tout dedans. Mais je suis tout dedans. Mais non, c'est une expression de poker qui veut dire, ouais, je mise tout, je mets tout, je prends tous les risques. Oui. Voilà, et avec vous, je prends tous les risques, croyez-moi. Pourquoi ? C'est normal, Laurent. Vous pouvez prendre tous les risques, vous êtes un as. Il est temps de passer la photo du jour, celle de Dominique de Villepin, le Premier ministre, qui s'est excusé, effectivement, hier à l'Assemblée nationale, à propos, évidemment, de l'insulte, de ce terme de lâcheté tenu envers François Hollande. Des excuses en bonne et due forme, titrait Le Parisien ce matin. Mais en fait, il ne s'est pas vraiment excusé. Il a exprimé des regrets, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est le journal La Croix qui le précise. Il a calmé le jeu, en fait, titre François. En tout cas, l'essentiel est que le Premier ministre ait fait repentance et que le Parti socialiste tourne la page. En même temps, puisqu'il en était à faire des excuses, le Premier ministre, peut-être qu'il aurait pu en faire pour les mois à venir. Comme ça, il groupait le tout et tout le monde gagnait du temps, vous voyez. Ce qui est certain, c'est que de plus en plus de députés issus même de sa majorité souhaitent son remplacement au Premier ministre. En fait, ça va se décider demain soir. En effet, si la France gagne par 2 buts d'écart contre le Togo, Villepin reste. Si la France est éliminée, le nouveau Premier ministre sera désigné par tirage au sort. Il y a de ça, hein, quelque part, non ? En tout cas, je me demande qui peut avoir encore envie d'être Premier ministre dans ce pays. C'est un calvaire pour tous les gens qui y sont déjà pour affaire. Pas du tout, c'est sans risque. Pour quelqu'un comme Borloo, Michel et Marie, c'est un super beau tour de piste parce qu'on est là pour quelques mois, on monte sa tête à la télé et on prend date pour 2012, pour 2020. Au contraire, c'est vraiment bien. Tout le monde veut l'être. Et c'est sans risque. C'est comme quand tu entres en plaçant à 1 minute de la fin du match. Si tu mets un but, tant mieux. Si tu joues mal, personne ne le remarque. Mais en même temps, est-ce que si Jean-Louis Schoenberg devient Premier ministre. Est-ce que Béatrice Borloo pourra rester à la présentation du journal? Non. Gérard, vous trouvez que ça a été des bonnes excuses, celles du Premier ministre? Franchement, à partir du moment où quelqu'un s'excuse à sa façon, il ne faut pas chipoter, il s'est excusé, point final. Attends, il s'en est pris une belle quand même dans la figure par Jean-Marc Ayrault, qui est le président du groupe socialiste. Il a dit « Personne ici n'est lâche ». Puisque nous, tous ici présents, avons eu le courage d'affronter le suffrage universel. Sous-entendu que Villepin n'a jamais été élu. Jean-Marc Ayrault, dont on dit qu'il pourrait être le Premier ministre de Ségolène Royal si elle était élue présidente de la République. C'est la rumeur qui traîne, car elle voudrait des ministres quadra, dit-elle, des pas trop vieux, quoi. Mm-hmm. Jean-Marc Ayrault, qui est le maire de Nantes, Gérard. Très bon maire de Nantes. Moi, ce que je trouve surtout, c'est que Gérard, de plus en plus, est conciliant avec la droite, vous ne trouvez pas ? Ouais. Il commence à comprendre que Fabius s'est foutu. Ouais. Autre photo, celle de Nicolas et Cécilia Sarkozy réunis en famille à Londres à l'occasion de la fête des pères. C'était le week-end dernier. D'ailleurs, regardez sur cette photo, on voit, c'est l'appel du 18 juin. Mais s'agit-il de photos prises à leur insu ou de photos pour lesquelles ils ont posé pour l'hebdomadaire Paris Match? Là, on ne sait pas. Écoutez, l'essentiel, c'est qu'ils s'aiment le doute en tout cas. Vandel. Ah non, c'est impossible. C'est impossible que ce soit à leur insu, pour plein de raisons. D'abord, c'est dans un parc. Ensuite, il a des services d'ordre avec lui, de la sécurité. Et troisièmement, on le voit moins à l'écran, mais les photos sont d'un piqué d'une qualité extrême. Oh, écoutez, franchement, penser que Nicolas Sarkozy soit machiavélique à ce point, moi, je ne le crois pas. Mais ce qui est étrange... Tu gâches tout. Non, mais ce qu'il dit est très intelligent, parce que Sarkozy est très intelligent. Donc, si on dit de lui qu'il a organisé la séance photo, ça va jouer en sa défaveur. C'est ça que c'est le seul doute que j'ai. Philippe. Je voulais souligner que ce que Philippe Vandel venait de dire était aussi très intelligent parce qu'il nous a dit que les photos étaient piquées. C'est un terme photographique pour dire qu'elles étaient très précises, très nettes. Mais entre photos piquées et photos volées, il n'y a qu'un pas. Un autre couple qui s'aime dans Paris Match, c'est Estelle Denis et Raymond Domenech, le sélectionneur et son épouse. Regardez, pauvre sélectionneur à qui on met vraiment tout sur le dos, même son épouse. Hein. Oui. En tout cas, c'est un mauvais exemple pour les joueurs, parce que s'ils font comme lui, ils vont courir encore moins vite, hein, c'est sûr.
En tout cas, demain, contre le Togo, David Trezeguet devrait jouer en attaque de l'équipe de France. Pour conclure, titrait ce matin le journal gratuit Métro Sport, un titre ambigu parce qu'on espère évidemment que le match de demain ne sera pas la conclusion du parcours des Bleus en Allemagne. Raymond Domenech lui-même, paraît-il, rêve encore d'aller jusqu'en finale le 9 juillet prochain. L'essentiel, c'est que tout le monde soit rentré à Paris pour les Jeux Olympiques en 2012. Et parmi les supporters des Bleus, regardez dans les gradins lors des deux derniers matchs, eh bien, c'est peut-être lui qu'il faut remplacer, Francis Lalanne. Hein. On nous montre Lalanne bien entouré par d'autres people. Hein. À ses côtés, on voit Charlotte Gainsbourg, on voit aussi Gérard Jugnot sur une photo. Patrick Bruel était là aussi lors du dernier match. Il sera notre invité d'ailleurs samedi soir, Patrick Bruel. En fait, c'est un concert pour les Restos du Pied. Et oui, les Restos du Pied, c'est le contraire des Restos du Cœur. Il faut que nos footballeurs aient un peu plus faim et que ceux d'en face aient leur filet bien rempli. En tout cas, si jamais les Bleus ne battaient pas demain le taureau... Le taureau. Le Togo par les cornes. Il faut prendre le Togo oui. par les cornes. Oui. En tout cas, si on ne les battait pas par deux buts d'écart, admettons que la France gagne, ouais. mais seulement par un but d'écart, alors là, ça se compliquerait si en même temps, la Suisse et la Corée du Sud, eux, faisaient match nul. Hein. Vous avez lu toutes les hypothèses, peut-être, dans Le Parisien ce matin. Regardez, la qualification se jouerait alors par tirage au sort. Et là, alors là, c'est plus du pot belge qu'il nous faudrait, mais du pot français. Hein, c'est débile. Puisque nous avons Philippe Gueluc parmi nous, parlons du pot belge, puisque vous, je sais que votre maman vous a mis au pot belge à l'âge de 2 ans à peu près. Hein. Bien sûr, et c'est seulement vers 5 ans que vous avez abandonné le pot belge, parce que là, vous avez réussi à faire directement en toilette. Et alors là, j'ai un exemplaire. Voilà pourquoi j'ai un vrai exemplaire du pot belge. Ce qui est très pratique en appartement, hein, évidemment. Bien entendu. Non, mais c'est idiot. Qu'est-ce qui se passe entre... C'est un chapeau, ça. C'est... Non, c'est un pot belge. Un pot ouais. belge. Tu comprends pas, vous êtes trop cons, les Belges. J'ai compris. Ça fait compliqué. Mais dites donc, elle a encore de beaux restes, la vieille. Et pas les Belges non plus. La vieille, un tu partout. Dis pas. Un tu partout. Dis pas. Non, tu dis pas la vieille. C'est Alors, une insulte. Alors, tu dis plus que les Belges sont cons non plus. Vos excuses, peut-être. Et Claude ? Philippe, à la limite, bon, c'est un copain, un ami, vous avez le droit de l'insulter, mais vous regardez bien la caméra en face de vous et vous excusez auprès de nos amis belges qui nous regardent ah, tous oui, les oui, soirs. Oui, oui. Ah, oui. Dans quelle caméra ? La 3. Chers amis belges, je vous présente toutes mes excuses, je me mets plat ventre, je rampe devant vous. Non, mais c'est sérieux, hein ? C'est honteux ce que j'ai dit, c'est pas que c'est honteux, c'est bête. Voilà, j'ai dit une bêtise. À propos de dopage dans le cyclisme et de ce procès autour du pot belge, il faut quand même rappeler que le pot belge est un mélange d'amphétamine, de cocaïne, d'héroïne, de codéine, de caféine. Finalement, on se demande pourquoi on veut interdire les rêves parties alors qu'on continue à organiser le Tour de France. La prochaine rêve partie, moi, à la place des toughers, je les ferai à la bicyclette, ils seront moins emmerdés. Autre photo partout dans la presse ce matin, celle de Jacques Lanzmann, le parolier fétiche de Jacques Dutronc. Il est 5 heures, Jacques Lanzmann s'éteint, titré Libération ce matin. Il est 5 heures, Jacques Lanzmann s'endort, c'est à peu près le même titre dans l'Humanité. Alors que Le Figaro et François, eux, ont plus joué avec le côté grand marcheur qu'était Jacques Lanzmann. Lanzmann pose son sac ou Jacques Lanzmann, fin du voyage. On aurait pu tout aussi bien titrer. Au moins, ses chansons, elles, continueront à marcher. Bravo. On termine par la fête de la musique, justement. Comme d'habitude, il a plu. Hein. Ça, moi, j'avais prévenu qu'il pleuvrait. Ben, il a plu, voilà. Anthony Cavana animait pour la première fois la fête de la musique sur France 2 hier soir. Il a pris une leçon d'humidité, c'est le cas de le dire. Et comme il est bilingue et qu'il était mouillé, on peut dire que c'était pas le vrai Anthony Cavana, c'était du Cavana Dry. Oh. Il est fort. Si vous rêvez... Et je suis sûr que vous avez envie de ça déjà. Revoir un épisode, par exemple, des Shadok. Revoir l'altercation entre Guy Bedos et Thierry Ardisson. Les premières émissions d'Interville. Par exemple, Léon Zitrone qui casse ses lunettes. Le journal télévisé de votre jour de naissance. Autant d'envie qu'on peut avoir. Eh bien, maintenant, c'est possible. Vous pouvez le faire puisque depuis le mois d'avril dernier, l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, a ouvert un site Internet grâce auquel il est possible maintenant de télécharger la plupart du temps gratuitement. On va vous expliquer quand c'est gratuit, quand c'est payant dans un
un instant, plus de 100 000 émissions du patrimoine audiovisuel, soit en tout 10 000 heures d'enregistrement télé. Ce site de l'INA connaît un immense succès, 250 000 visites par jour. Manifestement, les gens ont la nostalgie ou peut-être un besoin d'informations sur ce qui s'est passé il y a 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Accueillons ensemble le président directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel, M. Emmanuel Hogg. Bonjour. Avant d'expliquer comment on peut aller sur ce site internet, combien ça coûte, quand c'est gratuit et tout ça, il faut expliquer si c'est possible, c'est grâce à la fameuse numérisation, c'est bien ça? Oui, ça fait 5 ans que l'INA s'est lancée dans un grand programme de numérisation parce que les téléspectateurs ne le savent pas toujours, mais c'est, toutes les archives de la télévision, c'est une denrée très périssable, c'est très très fragile. La bande vidéo se détériore avec le temps, le film se détériore, donc si on ne numérise pas tout ça très vite, c'est des pans entiers de notre mémoire collective qui mourront. Les gens le savent un peu parce que quand ils mettent un magnétoscope, dans leur magnétoscope, une cassette VHS des années 70, où ils veulent revoir le mariage ou le baptême de tel ou tel, c'est devenu un peu bleu, c'est devenu un peu vert, on n'a plus le magnétoscope et donc tout ça pose des gros problèmes de récupération. Et pour l'INA, bah, c'est ce grand travail de numérisation que... Maintenant, une famille française fait pour elle-même, ben, l'INA le fait pour toute la France. Alors, je suis chez moi, je vais sur ina.fr. Exactement. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que c'est gratuit pour moi? Quand est-ce que c'est payant? Alors, en fait, vous pouvez quasiment tout visionner gratuitement. Hein. C'est le parti pris que nous avons décidé de prendre, parce que sinon, ça aurait été très compliqué, très difficile. D'ailleurs, pour ça que le site a sans doute un aussi grand succès, c'est que le visionnage est gratuit. En revanche, si on veut télécharger, si on veut acquérir, si on veut graver sur son ordinateur portable ou graver sur un DVD, alors là, en revanche, il faut payer un droit, comme quand on va acheter un DVD dans un grand magasin, il faut acheter les droits. Alors, on s'est amusé à le faire, évidemment, on a un peu préparé votre venue ici, puisque j'ai demandé à chacun des chroniqueurs ici présents quelle image il aurait eu envie de revoir. Alors, je ne sais pas, par exemple, on va commencer par Gérard Miller, vous êtes chez vous, vous tapez ina.fr, qu'est-ce que vous allez voir? Alors voilà, je me suis souvenu, mon épouse de l'époque était enceinte, un bébé allait naître dans la famille. Ça faisait des années que je vivais sous la Ve République, sous la droite, et quelque chose allait changer. C'est quelque pas vrai. Quelque chose allait enfin changer. Je me souviens de ce moment, il est 20 heures, nous sommes tous en famille devant la télévision, et à ce moment-là, avec, il faut bien dire, une grande partie de la France qui allait descendre dans la rue, il se passe, ben, c'est les images que j'ai demandées. Regardons. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. C'est incroyable que tu te sois souvenu de ce Claude. Alors moi, voilà, là, quand la production m'a demandé, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le pape. C'était en 2000, en l'an 2000, je crois. Mais ça sent pas vieux, ça. Oui. Ben non. Lui, mais oui. Alors le pape, écoute-moi, Laurent Ruquier, il est tout en blanc avec sa calotte devant le mur des Lamentations. Et il s'incline comme un vieux juif et il met son petit papier pour demander pardon. Ça m'a été au cœur. Jean-Paul II en prière devant le mur des Lamentations. En ce lieu le plus sacré du judaïsme, le souverain pontife observe la tradition jusqu'au bout. Il dépose un vœu entre les pierres, vestige du temple bâti par le roi Hérode dans l'an 20 avant Jésus-Christ. Son message, pardon à Dieu pour les souffrances des Juifs. On voit bien que les choix de chacun sont très personnels. Isabelle Alonso, par exemple. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que c'est vraiment notre patrimoine à tous. C'est un vrai trésor. Je trouve cette initiative absolument géniale. Merci. Alors moi, bien sûr, ce qui m'a beaucoup marqué, dont je me souviens très bien, c'était la tentative de coup d'État de la droite espagnole le 23 février
81, que je n'ai pas vu en direct. On a vu les images ici le lendemain, 24 février. C'est un moment où un homme fait l'histoire. Un homme tente de faire l'histoire, un fantoche espagnol avec son flingue arrive dans l'Assemblée nationale et se croit, se met dans la peau de Franco 30 ans auparavant et il essaye de faire un coup d'État. Et là-dessus, Juan Carlos, le tout jeune à l'époque roi d'Espagne, remet les pendules à l'heure en direct sur toutes les chaînes espagnoles, bardé de toutes les décorations de chef de l'état-major de toutes les armées et dit aux militaires, rentrez à la maison, maintenant c'est la démocratie et je m'en porte garant. Grand moment où un homme a fait l'histoire. Regardons. Au Cortès, donc hier en fin d'après-midi, quelques 350 députés voient surgir un lieutenant-colonel de la garde civile, revolver au poing. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Emmanuel Hogg veut intervenir là-dessus. Tout à fait, parce que cette image de coup d'État a une importance toute particulière dans l'histoire des archives de la télévision française, parce que ce sont des images que les Espagnols n'ont pas enregistrées. Et quand ils ont voulu les revoir, ils ont demandé à l'INA, et c'est l'INA qui les avait enregistrées à la télévision française, et si aujourd'hui les Espagnols ont accès à ces images, c'est parce que l'INA les a sauvegardées. Bravo et merci. Plus léger, Philippe Vandel, oui. C'est la drague. Oui, un petit peu. Ce qui me frappait, c'est qu'à l'époque, une émission qui date des années 70, les émissions de variété étaient en direct. Et donc, les dérapages n'étaient pas comme maintenant coupés et passés à la poubelle, mais on les gardait. Et là, c'est une émission, c'est Bouvard qui présente en 73. Il reçoit Jacques Dutronc, qui est le playboy qu'on connaît. À côté de lui, une petite jeune fille magnifique. Elle a 17 ans et c'est Isabelle Adjani. Vous vous rapprochez, hein. Là, c'est pour le cadrage. N'ayez pas peur. Non, je crois que vous ne les aurez pas toutes les deux en même temps. Il faudra choisir. Vous avez 17 ans, vous êtes très jeune. La moitié de mon âge. Bon, enfin, je trouve que j'ai trouvé mon rayon. Les caméras peuvent tourner. Approchez-vous, Isabelle. Oui, je suis bien. Vous êtes bien là-bas. Bon, alors venez par là. C'est un drôle de pistolet, quand même. C'est ça. C'est épuisant. Oui, il est toujours comme ça. Toujours. Toujours. Le matin, ce qui me donne un certain réconfort, c'est le camembert, vous voyez, par exemple. Et ensuite, je mange le camembert en entier, avec une bière après et un cigare. Non, mais c'est pour qu'elle sache. Un réconfort après une nuit agitée. Qu'elle ne vienne pas... Voilà, chérie, je t'amène ton café. Chérie, je t'amène ton camembert. C'était dans une émission de Philippe Bouvard. C'était le hardisson de l'époque, exactement, on peut dire. Exactement. Et vous, Philippe Gueluc? Alors moi, j'ai replongé en 1967 pour un événement considérable à la télévision française à cette époque-là. C'est le passage du noir et blanc à la couleur. Événement dans le monde de la télévision. Et je n'avais pas la télévision, moi, à l'époque. Et nous sommes allés chez des amis qui avaient un poste pour assister à ce moment qui était annoncé, qui était programmé pour voir... On allait voir les gens en couleur. Exactement. Et je vous propose de retrouver... La date la date, le 1er octobre 67. Passage à la couleur pour la télévision. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure. Alors, c'était feu d'artifice. Non, faut rester. Oh, c'est dommage que... Voilà, restons sur ce temps. Et les costumes avaient été choisis en conséquence. Ah oui, conséquence. Alors, ah oui, c'est vrai qu'ils auraient quand même pu se mettre autrement. Non, mais ouais, c'est... Et regardez, ils avaient pensé à tout, parce que le décor et tout, il y a un truc rouge et un truc vert, heureusement. Oui, parce que sinon... Sinon, ça aurait... Et c'était pas des animateurs de l'époque, ou alors on les a oubliés. Je crois que c'était des directeurs. Ah oui, non, c'était des grands patrons de l'ORTF. C'était 67. 67. Oui. On comprend pourquoi on a fait mai 68 après, parce que franchement... Mais alors,
En fait, je ne me suis pas arrêté là, parce qu'ici, ce sont effectivement des images que nous avions commandées avant l'émission. Moi, je suis allé pianoter sur Internet pour voir un petit peu. D'abord, c'est un moteur de recherche, comme on fait tous sur Internet. On va voir si on parle de nous. Alors, j'ai tapé mon nom sur votre moteur de recherche. Résultat, zéro. Rien. Il n'y a aucune archive dans laquelle j'apparais. Je me dis, c'est normal, je ne suis à la télévision française que depuis 7 ans. J'ai, dans une des émissions les plus regardées, chez Drucker, donc ça, c'est normal. J'ai dit, je vais aller voir pour mes camarades. Vandel, qui a tout de même fait 10 ans à Canal+, j'ai tapé Vandel, rien. Bon, j'ai dit, d'accord. Et puis, Perry Cochin, Isabelle Alonso, rien. C'est trop récent, trop récent. C'est trop récent. Alors, je me suis dit, tout de même, le patron, Laurent, lui, avec tout ce qu'il a fait à la télé, on va trouver. Et j'ai tapé votre nom, Ruquier. Il y a 3 archives, dont deux fois la même. Non. Donc, il y a 2 archives. Et encore, ce n'est pas des émissions à vous. Vous êtes à côté d'une actrice chinoise, chez Ardisson. Et sur toute la séquence, vous avez un bon mot. Excellent. Et alors, finalement, ceux qui sont le plus cités, parmi nous tous, c'est Claude, avec 8 archives la concernant, et Gérard, avec 3 archives. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer une des archives concernant Gérard. Nous sommes le 13 mars 95, et on voit que si la coiffure a changé... Gérard était très chevelu à l'époque. C'est quelqu'un qui... Je peux parler de ces choses-là, moi, personnellement. Gérard était très chevelu à l'époque, mais la manière et le ton n'a pas beaucoup changé. Les images sont petites, nous sommes sur Internet, évidemment. Oui, ça me rassure ce que vous dites de la psychanalyse. Avant de venir, j'ai croisé une femme d'un certain âge, une femme à l'allure plutôt paisible, au jugement habituellement plutôt modéré, que je connais un peu, et elle m'a dit, en entendant prononcer votre nom, ce type-là, elle parlait de vous, il faudrait lui tordre le cou. Moi, j'ai lu qu'il y avait un tel succès que parfois, c'était pas facile d'y accéder. Est-ce qu'il y a des horaires ou c'est un peu plus simple? Non, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Alors, j'imagine juste après l'émission, ça va être engorgé. Donc, oui. Parce que naturellement, ce soir, n'essayez pas. La télévision a un effet terrible. En tout cas, on y arrive facilement. Donc. Maintenant, oui, aujourd'hui, sauf ce soir, ça risque d'être embouteillé, effectivement, tout de suite après l'émission. Mais parce ce week-end, lâchez-vous. On vous remercie. Merci à vous Monsieur tous. Hogg, président-directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel. Alors que lundi dernier, nous fêtions l'anniversaire des 20 ans. Fêter, c'est pas vraiment le mot. D'ailleurs, nous célébrions l'anniversaire des 20 ans de la disparition de Coluche. Jean Dépucé et Antoine Cazubolo ont écrit « Coluche, l'accident contre-enquête », un livre paru aux éditions privées, dans lequel les deux auteurs journalistes reviennent sur la version officielle du décès du fondateur des Restos du Cœur et tentent de rétablir un certain nombre de vérités sur les circonstances exactes de ce tragique accident dont tout le monde parle encore après 20 ans, donc après le 19 juin 86. Pour en parler ensemble, accueillons tout de suite, autant vous dire que ce bouquin a fait controverse ici même au sein des chroniqueurs. Certains y croient, d'autres pensent que c'est complètement idiot de penser que ça a été un attentat ou véritable accident. Bon, on va en parler tout de suite avec Antoine Cazubolo. Bonsoir, bienvenue. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on a donné votre livre aussi, chroniqueur. Alors je veux dire qu'il y en a qui disent, ah, quand même c'est intriguant. D'autres qui disent, quelle connerie ce bouquin, n'importe quoi, pourquoi imaginer qu'on ait pu tuer Coluche. Vous réellement, est-ce que au fond de vous-même, vous pensez réellement qu'il y a eu un attentat? C'est pas comme ça que ça se pose pour moi. Ah ben, pas... si. Non mais je vais vous répondre. Vous avez enquêté, vous devez avoir une conviction aujourd'hui. Quand on vient me voir, quand Jean Dépucé, qui est décédé, hein, quand Jean Dépucé vient me voir et qu'il me parle de... Il m'a dit, j'ai enquêté sur la mort de Coluche, c'est pas un accident, etc. Tout de suite, moi, je me dis, je vais l'écouter par politesse, je vais attendre que ça se passe. Hein? Parce que Coluche, quels souvenirs ont les auditeurs de ça? C'est une route sinueuse dans l'arrière-pays niçois. Coluche, il roule à fond, d'accord? Au détour d'un virage, un camion est en train de manœuvrer, barre la route. Un mur d'acier, comme il arrive trop vite, paf, il cartonne. Moi, c'est le souvenir que j'en avais et je suis sûr que c'est le souvenir qu'en ont les gens. Bon. À partir de ce moment-là, il me dit, ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, il me fait encore marrer. Alors, il me dit, ben voilà, ben regarde l'interview des deux garçons qui suivaient Coluche, Didier et Ludo. Quand on lit, Didier, il était à 3 mètres derrière lui. Et il dit, et en plus, il y a une photo aérienne, hein, on peut y aller sur place. C'était une ligne droite. Il roulait à 60. La moto, d'ailleurs, a été expertisée. Ce n'est pas moi qui le dis, ni Didier, c'est l'expertise. Il roulait à 60, c'était une ligne droite. Le camion arrivait tout droit devant
au pas, comme ça. Alors, je l'ai déjà fait, le geste. Hein. Coluche, il est là. Il y a Didier dans sa roue, il y a Ludo. Le camion, il arrive tout droit au pas, comme ça, sans clignotant, sans rien. Et au dernier moment, il fait ça. À partir de là, c'est, pour moi, la première surprise. Alors, moi, mon travail à moi, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas avocat, je ne suis pas flic. Et 20 ans plus tard, qu'est-ce que je peux faire en tant que journaliste? Mon travail à moi, et le travail de journaliste, c'est de poser des questions. Si Coluche meurt, on envoie des journalistes. Et les journalistes, ils disent, voilà comment ça s'est passé, voilà comment est la route, voilà comment est l'état de la moto, voilà ce que disent les gens, les témoins sur place. Ce travail-là, malheureusement, n'a pratiquement pas été fait. Quand on lit les dépêches de l'AFP, il n'y a pas la ligne droite, il n'y a pas le camion qui va en face. Il y a route sinueuse, camion qui manœuvre dans un camping, Coluche fou de vitesse qui roule à fond. Donc, voilà. Vous parlez de la bizarrerie qui est celle-ci, que les policiers mettent en place un barrage, oui, du côté de Cannes, 15 minutes après l'accident, sur cette route, pour barrer cette route. Or, il me semble que s'ils sont prévenus de l'accident, il est normal qu'ils mettent d'abord un barrage en place pour empêcher qu'il y ait une accumulation de voitures à l'endroit de l'accident. Bien sûr. Pourquoi est-ce, selon vous, une telle bizarrerie? Ben voilà, je vais vous dire, c'est ça qui est, c'est encore un élément troublant. C'est que, comme je rappelle, ils étaient 5 dans un garage à Cannes. Mmh. Il y avait Coluche, Didier, Ludo et Jean-Marie et Mathilde Amé, qui étaient ensemble sur la même moto, etc. Et donc, ils s'arrêtent à un garage et les trois premiers disent « c'est trop long, on ne va pas attendre, on s'en va ». Jean-Marie, il dit « on a attendu quoi 5, 10 minutes, maxi ?» Et après, on a dit « c'est trop long, on se barre et on fonce pour rejoindre Coluche parce qu'on ne connaissait pas la maison, etc. » Donc, on fonce pour les rattraper. Entre Cannes et la sortie de Valbonne, il y a 14 km. Donc, on les fait, il dit « on fonce », mais on va dire qu'ils ont mis un quart d'heure. Un quart d'heure, ça fait que 40 km/h en moto. Et là, Jean-Marie dit « il y avait un barrage de gendarmes. En fait, Coluche est par terre depuis 5 minutes que déjà il y a un barrage. Et ben c'est normal. Et surtout, le truc qui gêne par rapport à ce barrage, c'est qu'on est entre Cannes et Opio en mois de juin. C'est une route touristique. Derrière le camion et derrière les motards, il n'y a pas de voitures qui suivent. Et pendant ces 20 minutes où Coluche est par terre, il n'y a pas de voitures qui passent. Mmh. Donc le problème du barrage pour moi, il est... Mais à quelle heure ? Quand a été mis ce barrage? J'affirme rien. Je veux dire, je vais poser des questions. Par exemple, il suffirait peut-être de retrouver les gendarmes qui étaient dans ce barrage. Exactement. Alors, essayé, vous avez essayé. Les archives oui, n'existent plus. Si vraiment, parce que c'est grave quand même d'écrire ce que j'ai écrit, si vraiment ces questions-là ont quelque écho chez vous, mais qu'on rouvre le truc, oui, qu'on nous sûr, sorte le dossier, il y a des avocats qui l'ont, qu'on sorte ce dossier, qu'on regarde. Gérard, si vous me permettez d'être polémiste à mon tour, le plus frappant, c'est qu'il y a eu en France déjà, par exemple, des suicides qui étaient en fait des assassinats. On a vu ça dans l'affaire Ben Barka avec le nommé Figon, comme disait le Canard enchaîné, suicidé à bout portant, vraisemblablement l'a tué. Donc il y a eu des affaires incroyables en France, aussi incroyables que l'aurait été cette attentat. L'affaire Boulin aussi. L'affaire Boulin, on ne sait toujours pas s'il s'est suicidé. L'affaire Fontanet assassiné, on ne sait pas dans quelles conditions. Mais ce qui est le plus invraisemblable lorsqu'on vous lit, c'est qu'on imagine le nombre de gens qui auraient dû être dans le coup. Les gendarmes qui ont fait le barrage, les barbouzes qui étaient à côté, le camionneur lui-même, le type qui lui a dit à quel moment Coluche arrivait. Je ne crois pas que dans un pays comme le nôtre, autant de gens puissent être dans le coup sans que jamais depuis 20 ans quelque chose ne filtre. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Il y aurait forcément au moins une personne qui aurait parlé. Et surtout, ça aurait été choisir la solution la plus dangereuse pour assassiner Coluche, alors que certainement il y avait des moyens franchement plus simples, plus discrets pour l'éliminer qu'un accident de moto dont toute la France allait. Oui. Vous savez, il fallait combien de gens pour couler le Rainbow Warrior ? 3. Combien d'équipes ? Déjà, il y a 3 équipes, alors ça fait 1 par équipe, c'est fort. Il fallait combien de gens pour aller mettre des armes chez des Irlandais à Vincennes? Il fallait combien de gens pour écouter Jean Hydernalier, hein? On vit dans ce pays comme la France. On vit dans ce pays-là, effectivement. Vous voulez dire combien? Il en fallait beaucoup. Il en fallait beaucoup. Oui. Il en fallait beaucoup. Et l'affaire est sortie. Et l'affaire est sortie. Et à côté de tout ça... Combien d'affaires ne sont pas sorties, voilà. On ne saura jamais. Est-ce qu'on peut imaginer que 100% des affaires sont sorties? C'est ça que vous imaginez? Vous savez que le problème de ce genre de livre, c'est qu'il y a des gens qui vont encore plus loin que vous. Il y en a même qui j'espère. Il y en a même qui disent Coluche, d'accord, mais pas seulement Coluche, Balavoine aussi, et même j'entends Thierry Le Huron depuis. Voilà, le problème, il est là. Pour moi, il est là en écrivant ce livre. 2-3 mois avant de me décider, parce que j'ai aussi des gens qui disent, ouais, il va se faire du fric là-dessus. Mais moi je gagne, c'est mon gagne-pain d'être journaliste, c'est humble. Et je vais vous dire, moi, c'est ma réputation qui est en jeu là, hein, parce qu'après, c'est fini, d'accord. C'est tout. Isabelle Alonso.
ça n'est pas une nouveauté qu'il se passe énormément de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'il y a un monde où on règle ses comptes en tuant les gens, en leur faisant très peur, et qu'on peut faire taire les gens très facilement. D'ailleurs, Coluche le dit lui-même à un moment, il dit « la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, mais aujourd'hui, les politiciens ont les moyens de vous faire taire ». Donc, que vous posez des questions, et vous avez raison de le faire, c'est des questions qu'on peut tous se poser, les questions sont là. Vous n'arrivez pas à poser des réponses, parce que si le travail a été un minimum bien fait, évidemment, les réponses, on ne les trouvera pas si facilement. La question est, y avait-il, à cette époque-là, un enjeu derrière Coluche? Et là, c'est la seule vraie question, c'est la seule vraie question. Or, d'après ce que vous dites, et on s'en souvient quand même de cette époque, oui, il y a un enjeu, parce que Coluche, qu'on a déjà essayé de déstabiliser quand il s'est présenté, sur lequel on a déjà exercé des pressions et du chantage, organise avec succès les Restos du Cœur. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose d'extrêmement subversif. Alors, est-ce qu'on s'est dit, bon, ça va maintenant, il faut arrêter de déconner, on s'en débarrasse? Moi, vous ne me ferez pas croire que pour des raisons morales, on renonce à assassiner quelqu'un, parce que ça n'est pas vrai dans un certain moment. Arrêtez de dire, je suis désolé, on va faire un point d'ordre. Arrêtez de dire qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Je suis désolé, je crois que la police... Je vais vous dire, ça c'est le point de vue aujourd'hui que je ne supporte pas. La police est capable de tout. Les services secrets sont capables de tout. Les journalistes sont capables de tout, eux aussi. Aussi bizarre que ce soit, et alors que les pouvoirs sont des pouvoirs pourris et que je n'ai aucune confiance dans la police, je crois paradoxalement que la plupart des choses finissent par être sues. L'affaire Bérégovoy. Et ben voilà, l'affaire Bérégovoy. On ne sait toujours pas vraiment. Non, attends, on n'est pas vraiment. On n'est pas en train de parler. Mais si un journaliste vient avec l'affaire Bérégovoy, il va se faire allumer pareil. On n'est pas en train de parler, parce que là on parle dans tous les sens, on n'est pas en train de parler du bien fondé et de l'existence d'assassinats politiques, on est en train de dire est-ce qui est écrit dans ce livre est vrai ou faux, est-ce qu'on a voulu le tuer. Et alors les témoins qui arrivent et qui accréditent la thèse de l'assassinat, c'est un type mort qui lui-même était un tueur qui a parlé à un autre type mort et que vous n'avez pas pu vérifier. Jean de Pucé vient me voir, mourant, d'accord? Je ne vais pas faire pleurer là-dessus, mais il vient me voir mourant en me disant « Voilà, moi, j'ai rencontré un barbouze qui m'a dit ça, j'ai rencontré un tel qui m'a dit ça, etc. » Dans mon livre, je raconte qu'est-ce qui fondait la conviction de Jean. Et moi, je ne dis pas que j'y crois. Je dis « Voilà, Jean pensait que, Jean avait la certitude que. » Pour moi, c'est une forme d'honnêteté à l'égard de ce type hein, qui a travaillé 20 ans et qui est parti dans tous les sens. Et ce n'était pas recoupé. Mais en tous les cas, il faut bien chercher le comment, le pourquoi. Le pourquoi et pourquoi on aurait tué Coluche. Et c'est là où il faut chercher. Moi, j'avance ce qui fondait la conviction de Jean. Voilà ce qui fondait la conviction de Jean. Il y a d'autres choses ici, par exemple dans le livre de Bagelzi, par exemple, et d'autres gens qui l'ont connu. Patrick Sébastien vient écrire un livre pareil en disant la même chose. Quand il a fait Ozon, cinq gros bras l'attendaient en bas de sa maison de production. Ils lui ont dit, vous comprenez, les Français ont envie de choses légères, qu'on rigole, qu'on s'amuse. Il ne faut pas leur raconter ce que vous leur racontez, monsieur Sébastien. Et il conclut son chapitre en disant... On me dira jamais. Hein, on me dira, Coluche lui avait raconté aussi, Coluche et en 81, c'est dans mon livre aussi, les menaces de mort sur Coluche en 80, etc. Et Coluche a expliqué cette histoire de gros bras à Patrick Sébastien. Alors après, qu'on ne croit pas au barbouze, moi je veux bien, mais c'est arrivé à Patrick Sébastien, c'est arrivé à Coluche. Hein. Moi, il y a une chose qui m'intéresse, et je ne comprends pas d'ailleurs, même si vous n'y êtes pas arrivé, et vous l'avez expliqué, mais que depuis d'autres journalistes n'y soient pas arrivés encore plus, a fortiori, depuis la sortie de votre livre, c'est que personne n'est encore réussi à obtenir l'interview de ce chauffeur. Mais ça, oui. Alors, il vit encore, ce chauffeur. Il vit encore une fois, qu'il vienne et qu'il nous explique. On ne l'a jamais entendu. Je le répète. Il a accordé une interview au magazine Entrevue. Une fois. Non, ah, je n'ai pas trouvé celle-là. Ah, on m'a dit ça. Non, dans mon livre, c'est l'événement du jeudi, 10 ans après. Il y a eu deux phrases. Quand il y a eu l'accident, hein, et là, on le voit, France 3, etc. Il dit, ils allaient trop vite, j'ai rien pu faire. Ah, ça prouve qu'il les a vus déjà, et ça prouve que tout ça... Bon, mais on sait qu'il allait pas vite. Moi, je comprends ce pauvre mec, si c'est un accident. Hein, après, 10 ans plus tard, il dit la même chose. Ils allaient trop vite, j'ai rien pu faire. Et puis, vous savez, si j'avais été responsable, j'aurais peut-être pas été condamné à 1000 francs. On trouve rien d'autre. Pardon, et pour si finir, votre thèse est vraie, oui. Le chauffeur que Dieu lui prête vie... normalement, aurait dû être mort depuis très longtemps pour qu'il la boucle et qu'on ne l'entende pas. Exact. Si votre thèse est vraie. C'est vrai. Et je vais vous parler de l'affaire Saint-Aubin dans mon livre. Vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il vit encore. Il vit encore dans le sud de la France. C'est vrai que vous mettez en avant des faits extrêmement troublants. C'est vrai que vous n'apportez pas suffisamment de preuves et que souvent dans le livre, vous dites « Je ne suis pas arrivé à rencontrer un tel, je ne suis pas arrivé à voir le truc ». Donc, peut-être était-il encore trop tôt pour faire le livre. Oui, j'ai pensé. Moi, ce que je voulais dire aussi à Gérard tout à l'heure, c'est que effectivement.
Effectivement, la France est une démocratie. Effectivement, il paraît bizarre que tout un appareil policier se rende complice d'un éventuel assassinat. Mais sache aussi que dans un appareil militaire, on ne discute pas un ordre et qu'il suffit qu'une personne prenne une décision, que d'autres l'appliquent sans en demander la raison. Ça, c'est le système militaire. Mais je voudrais revenir à ce que Laurent disait aussi, en disant qu'il y avait une suspicion sur la mort de Balavoine et de je ne sais plus qui encore. Le Luron. Il y a un humoriste dont nous n'avons pas parlé, qui est Fernand Reynaud. Accident de voiture. Attendez, mais ne riez pas. Qui est là derrière? Pour l'assassinat de Fernand Reynaud, c'est France Télécom. À cause de quoi? Du 22 à Agnières. Pour en savoir plus et vous faire vous-même votre opinion en lisant Coluche, l'accident, contre-enquête, c'est signé Antoine Cazubolo et Jean Depucé, qui n'est plus là, aucun rapport avec son enquête. Non. Ah ben, on pourrait se poser la question. Vous nous dites, celui qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre et qui était persuadé que Coluche avait été assassiné est mort aujourd'hui. Alors... Hélas, il est mort d'une tumeur au cerveau le 12 mars dernier. Non, mais voilà, c'est donc important. Je le dis. Ben oui, c'est important de le dire. Ah, parce qu'on peut, évidemment, à ce moment-là, laisser le doute. Et vous-même, vous avez peur, alors? Non, ça va. Ça va parce qu'on vit dans une démocratie, en liberté, ce que je crois, je suis membre d'un parti politique, etc. Et je connais le danger de cette démarche. Mais justement, je crois qu'on vit dans une démocratie et je crois que la presse est libre et on a le droit de poser des questions. Et je pense à ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est aux éditions privées, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Après avoir conquis le cœur du public dans les années 90 avec des chansons comme « Le monde est fou »,« Il fait chaud »,« Une fenêtre ouverte » ou évidemment « L'inoubliable »,« Oui, je l'adore », Pauline Esther fait son retour sur le devant de la scène. Il y a quelques jours, elle était au Café de la Danse à Paris pour présenter son « Best of Pauline Esther », un album dans lequel vous retrouverez ses grands succès, mais également trois titres nouveaux, trois chansons nouvelles qui augurent d'un futur nouvel album. « Il y a de l'amour partout », une chanson qui fait du bien en ce moment, et deux autres chansons dont on va vous parler dans un instant. Accueillons tout de suite Pauline Esther. Salut Pauline. Bon, on va pas cacher les choses aux téléspectateurs. Pauline est une amie et moi je suis ravi évidemment que vous ayez eu envie enfin de revenir à la chanson et à la scène et au disque. Il faut dire qu'il y avait un album qui était là depuis un petit moment. Des chansons enregistrées depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, des nouvelles chansons. Voilà. Mais bon, voilà, le passage obligé aujourd'hui pour présenter ces nouvelles chansons, c'est de revenir un peu aux anciennes. Voilà. Ça agace ou pas les chanteurs, ça? Oui. Oui. Mais bon, ben voilà, on est bien obligé. Mais je mets un iota, ça les agace. Et puis finalement, après, ils se rendent compte qu'ils ont un affectif énorme avec leurs anciennes chansons. Et finalement, moi, je refusionne avec... Mais surtout par la scène. C'est-à-dire que dès que je les chante sur scène, en fait, là, ça agace plus du tout. On se souvient d'ailleurs que Florent Pagny, aujourd'hui, il a un succès énorme, mais il a eu un passage à vide. Et Florent Pagny est revenu comme ça avec un album qui s'appelait « Bienvenue chez moi ». Il y avait une chanson nouvelle, « Bienvenue chez moi », et toutes les anciennes chansons. Et c'est ce qui lui a permis de revenir, parce que c'est comme ça la carrière de chanteur. Je crois qu'il y avait 3-4 chansons nouvelles. Bah, voilà. Ouais. Et en tout un cas, peu comme là. Un peu comme là, 3 chansons nouvelles. Les chansons que vous avez chantées récemment sur scène au Café de la Danse, ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas chanté sur scène? Une dizaine d'années. Quelques extraits du Café de la Danse. C'est un voyou, un filou, mais voyez-vous, malgré tout, oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor, oui, je l'adore, tous les jours un peu plus fort, il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, c'est tout. Il y a de l'amour partout. Il y a de l'amour partout, oh oui. Il y a de l'amour partout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, c'est tout. Ça, c'est la nouvelle chanson qu'on entend en ce moment sur les radios. Qu'on espère entendre sur les radios, on peut même dire. Parce que c'est une autre difficulté, c'est se faire programmer. Surtout qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Ouais. C'est pour ça que le passage pour un retour, c'est par la scène. Vous l'avez vu d'ailleurs, Péri, au Café de la Danse, Pauline Esther. Je l'ai vu et j'ai trouvé ça vraiment bien. Ce qui m'a le plus surpris chez vous, c'est comment vous bougez. Ah.
Vous dansez, je ne sais pas, on a l'impression qu'il y a quelque chose de magique dès qu'elle est en train de se retourner ou quelque... mais sérieusement, elle n'arrête pas de... Non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'elle n'arrête pas de tourner. Et dans ce métier, c'est utile. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'elle n'arrête pas de bouger sur scène. Ouais. Elle tourne. En général, les chanteuses ne font pas forcément des demi-tours sur elles-mêmes. Elle est sur ses arrières. Aussi. Mais c'est bien, j'ignorais, mais vous avez fait de la danse classique. Mais parce qu'en fait, elle dit quelque chose de très juste. C'est qu'au départ, je voulais être danseuse. Donc, j'ai fait 8 ans de danse classique. J'ai fait des claquettes, j'ai fait du flamenco. J'ai fait des stages où je faisais du jazz, de la danse russe. Et je voulais être danseuse. De la danse russe, ouais, aussi. Avec des petites bottines, les bras comme ça. Vandel. Alors moi, je vais faire un compliment en forme de devinette. Je pose à tout le monde. Qu'est-ce qui est frais quand il est chaud? Le pain. Quand le pain est chaud, il est frais. Eh bien, votre disque, c'est pareil. Il est à la fois chaud et frais. Bravo. C'est pas mal. C'est joli, non? Philippe. Et pas mal. Et à propos, le chef d'orchestre, il a une baguette bon, non. Non, moi, je voulais... Ah, c'est vraiment... Ah non, on retourne. Je vous avais dit, on peut pas faire... Non, non. C'est moi, vraiment les jeux de mots de l'association des vieux croutons. Hein. Au bout, Laurent, couette, occupez-vous de vos miches. Hein. Bon. Allez, bon, vas-y. Alors... Il cherche un éclair, là. Non. Je voudrais être complet. Bizarre. Non, alors voilà. Aussi, admiration totale. Vos chansons, je les ai dans la tête, je les ai dans le cœur. Les chansons d'avant, évidemment, elles ne m'ont pas quitté depuis 15 ans. Et votre retour est magnifique, merveilleux. Il y a un truc que je vais vous avouer, c'est que je vous ai vu. J'ai vu votre image pour la première fois sur les affiches du concert et puis chez Fogiel l'autre jour. Et dans les années 90, au moment de votre première apparition, j'étais persuadé, je vous entendais que à la radio. J'étais persuadé que vous étiez une chanteuse noire. Et vous avez un timbre, je crois, qui est proche des grandes chanteuses de blues. Et vous avez parfois un phrasé qui me faisait penser à Joséphine Baker. Et ça n'a rien à voir avec votre talent. Si, peut-être parce qu'il est très grand. Mais c'est bizarre de penser que quelqu'un est noir et puis de le voir. Vous connaissez un truc de Joséphine Baker? Non, mais c'est très étonnant ce qu'il vient de dire parce que Joséphine Baker est sur ma route tout le temps. Ah oui? Et notamment au studio, où on a répété pour le concert, quand on ouvrait la porte et qu'on sortait du studio, il y avait deux dessins de Joséphine Baker, des petites peintures, des copies. Vous êtes capable de me chanter un truc de Joséphine Baker? Même pas. Philippe va chercher des bananes. Ouais. J'ai deux amours, mon pays et Paris. J'avais raison, vous êtes noire. Vous avez une chanson où vous parlez du suicide et comme si c'était quelque chose auquel vous avez goûté de très près. Enfin, vous avez failli. Alors, c'est pas une chanson qui parle du suicide. C'est quoi alors? C'est une chanson qui parle de la mort, mais pas du suicide, pas par suicide. Ah, parce mais, que j'ai mais non, mais comme c'est intéressant ça, de voir que vous avez pu le prendre comme ça parce que justement. Puis c'est ce surtout que d'une gaieté folle ce que vous racontez. Non, alors ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une grande fragilité. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ça. Que dans les chansons, les gens prennent vraiment. Donc moi, je vous retourne la question. Ouais. Vous me parliez de suicide à moi. J'ai envie de vous en parler à vous. Ah, mais je peux vous dire, moi, je peux vous répondre. Parce que c'est vous qui l'avez capté. À chaque fois qu'elle intervient ici, c'est suicidaire. Le retour de Pauline Esther avec un best-of, une nouvelle chanson, enfin trois nouvelles chansons sur l'album. Celle qu'on entend, c'est juste un petit coup là pour partir. Il y a de l'amour partout, juste comme ça, un, deux, trois. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Yeah. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, c'est tout. Yeah. Jérôme Bonaldi, il y a de l'amour avec lui aussi, c'est parti. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est un panneau de signalisation qu'on voit fleurir un peu partout sur les routes de France et d'étrangers qui prévient attention, diplodocus. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est l'association pour. Ça, c'est Guy Carlier. Mais non, c'est derrière un mouvement international extraordinaire pour sauver l'humanité
qui milite pour la réintroduction du dinosaure en France, dans le monde. Ah oui. L'avenir de l'humanité passe par la réintroduction du dinosaure. La science peut le faire, on peut retrouver l'ADN, on peut avoir des dinosaures qui seraient, par exemple, pour faire de l'écobuage, pour lutter contre les feux de forêt. Ils mangeraient tous les broussailles, toutes les... Ils vont lever la patte sur les massifs en feu. Voilà, voilà. On pourrait les utiliser comme tracteurs. Vous êtes sérieux, là? Vous voulez vraiment qu'on refasse des dinosaures? C'est un mouvement très sérieux. Il y a des dinosaures à bec de canard, il y a des dinosaures à plumes. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, ça pourrait... Ouais. Mais enfin, ouais. La viande de dinosaure est excellente. Et comment tu sais ça, toi? T'as jamais mangé chez Hippopotamus? Les dinosaures sont des ovipares. Une omelette d'œufs de dinosaures, ça vous nourrit une famille entière de 18 enfants. Bien sûr. Les plumes de dinosaures serviront aux Bluebell Girls des... Vous allez être soutenu par Françoise de Pierre à Feu dans le 17e arrondissement. Autre chose. Les femmes qui ont des lunettes et qui se maquillent. Ce sont des femmes à... Ah ouais. Comment font-elles, les femmes qui se maquillent, pour bien voir quand elles se maquillent les yeux alors qu'elles ont des lunettes? Heureusement est arrivée la lunette qui... Hop. Là, avec cet œil, je vois bien et je peux me maquiller l'autre. C'est tout simple, mais ça correspond à une vraie demande de marché. Ah non, non, vraiment, c'est... Ah non. Le chanteur Antoine, vous savez, qui fait la pub pour le fabricant de ce truc-là, le prouve, sincèrement. Moi, quand j'entends Antoine, je dis « Antoine !» Voilà. Autre chose. C'est pas Cédric. C'est bientôt l'été, qu'est-ce que je vais vous montrer? Le moustique va arriver, je voulais juste vous dire très rapidement qu'il y a de plus en plus de produits anti-moustiques. Alors ça, j'en ai besoin, là, je vais à un endroit, là. Ah, vous êtes appétissant? La femelle... Vous voyez. C'est parce que vous faites beaucoup de CO2. Ah oui? Oui, quand vous exhalez du CO2, avec cette légère odeur de champignons qui vous caractérise, la femelle moustique arrive et bzzz, elle vous pique. Ça marche vraiment? Ça marche très bien. Testé par le CNRS, celui-là. Il y a le bracelet anti-moustique. Ah, très bien. Voilà. Et c'est nouveau, ça va sortir. Il y a un meilleur moyen pour les moustiques. Laurent, chez vous en vacances, c'est d'inviter Marc-Olivier Fogiel. Parce que lui, c'est un piège à moustiques vivants. Vous le mettez dans une maison, c'est lui qui se fait bouffer et que lui. Ah oui, oui. Invitez-le chez vous cet été. Et enfin, le sac de couchage anti-moustique. Le sac de couchage anti-moustique. Mais qui en août, dans le milieu de la France, va dormir dans un sac de couchage? Et la nuit, il fait froid quand même. Mais non, arrête. Et s'il fait froid, il n'y a pas de moustiques. Mais Jérôme Blassette. La terre. Écoutez, la prochaine fois, vous revenez avec vos produits anti-dinosaures. On vous remercie, Jérôme Bonaldi. Pauline Esther, l'album Best Of, trois nouvelles chansons, parmi lesquelles celles qu'on entend un peu partout en ce moment. Il y a de l'amour partout. Restez avec nous, avec le qui a vu quoi. Regardez le classement, attention, en tête toujours Stevie. Perry très bien classé, voilà, alors là, on ne sait pas par quel miracle, mais Perry est numéro 2 dans ce classement. Dans le bas du classement, eh bien, c'est surtout Gérard Miller qui a besoin de points. Je suis monté. Regarde, je suis derrière tu Isabelle. Me talonnes. Alors, Miller, t'es nul. Alors, vous pourrez offrir vos points si vous trouvez des bonnes réponses. Regardons ensemble la première photo, la voici. De qui s'agit-il? Ça vaut 100 points. La sœur de Ségolène. Non. Non, 100, c'est pas assez. 500, Gérard. Bien, c'est mieux déjà. Elle travaille dans la politique. Indirectement, oui. Elle est conseillère de médias. Son nom est très, très connu, hein, pour tout vous dire. C'est la femme de quelqu'un de connu. C'est la femme d'un ministre. La fille. Non. La fille Villepin. La femme d'un ministre, je ne peux pas dire d'un ministre, de quelqu'un qui a été ministre. Juppé, la femme de Juppé. Ah non. Non, mais non. C'est Madame Bayrou. Non. De quelqu'un qui a été ministre. Et dont on a beaucoup parlé, de lui, d'elle et même de leurs enfants. 1000 points. Les Ferry. Non. C'est pas elle. Non. 2000 points. Ah, je sais le monsieur, tu sais, qui s'est acheté un appartement. Ah, le Guémard. Guémard, 1000 points pour Philippe Vandel. Tu m'as bien aidé. Merci beaucoup. En même temps, c'est... Photo suivante. Ah, à qui appartient cette oreille? Ça vaut, alors là, écoutez. Je vous regarde tous, là, ça vaut 10 000 points. Quoi? Véronique Zidane. La femme de Zidane? Véronique Zidane, pas du tout. Non. Beckham, non. La femme de Johnny Hallyday. Pas du tout, 10 000 le points. Fils du prince Charles et de Diana? Non. La femme d'un footballeur? Non. C'est un homme? C'est un homme. Ah. Stevie? Non. Un Français? Non. Américain? Non.
Anglais. Non. Maradona. Non. Ce qu'il a dans l'oreille devrait vous aider. Mais oui, il avait une oreille. C'est quelqu'un qui a un rapport avec le football. Pelé, non. Il fête les 10 ans de quelque chose. Non. Est-ce qu'il a un rapport avec un Français? Non. Il a joué en France en même temps. Il a joué. Ouais, ah, donc c'est un ancien joueur. Je peux téléphoner à un ami? Et il n'est pas français. Un joueur de foot? Je n'ai pas dit que c'était un ancien joueur, hein, c'est vous non, qui le dites. Il a joué en France. Le fils de Yannick Noah? Non. Lalanne? Non. Non, Lalanne n'a pas d'oreille. Il a joué. 10 000 points. Il s'agit de Tom Cruise. Non. J'aurais peut-être mieux fait de vous montrer ses dents, finalement. Ronaldinho. Ronaldinho, excellent, très fort, Isabelle Alonso. Photo suivante. De qui s'agit-il? 500 points. Raymond Devos, 500 points pour Perry Cochard. J'en ai une dernière pour la route. Allez, 500 points aussi. Oh, je sais qui c'est. Je l'ai vu, aussi. Combien de points? 500. Britney Spears. Exact. Wow. Alors là, quel parcours ce soir, Isabelle. Je me demande si vous n'êtes pas en tête, là, d'un coup. Faites voir. Ah bon, ça me ferait plaisir. Suspense, vous le saurez demain. En attendant, rappelons que Pauline Esther fait son retour à la chanson, son retour sur scène. L'album est dans tous les bacs avec 3 nouvelles chansons et surtout les tubes. Oui, on l'adore, Pauline Esther. Merci, à demain.